Aujourd'hui, brioche des rois bien parfumée avec un petit tuto pour faire des oranges confites. Bonjour, je m'appelle Cyril Rouquet-Prévost, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Pour faire une brioche et la pétrir, il vaut mieux être équipé d'un robot multifonction. Si vous n'en avez pas, suivez la recette, mais pétrissez à la main. Dans le bol du robot, je verse du lait tiède. Je rajoute de la levure fraîche. Je mélange. Je verse de la farine. Du sucre. Une pincée de sel. Un bon trait de fleur d'oranger. Ça se marie très bien aussi avec du rhum. Et je termine par les œufs. Je pétris tout ça au moins 5 minutes. La texture du pâton doit être élastique. Ce n'est pas grave si elle est encore un petit peu liquide. Je rajoute du beurre. Et je pétris à nouveau. Je verse ma pâte dans un saladier légèrement fariné. Je repétris un petit peu. Je couvre. Et je laisse reposer 2 heures à température ambiante et 4 heures au frais. Au bout de 4 heures, je façonne ma pâte en couronne. Je l'incise sur le dessus. J'écarte un peu. Et je la fourre avec des fruits confits macérés dans du rhum. Je refaçonne ma couronne. Et je laisse reposer 2 heures à couvert. Je dors avec un jaune d'œuf délayé dans un petit peu de lait. Et j'enfourne 35 minutes à 180 degrés. Dans un plat adapté au micro-ondes, je mets mes tranches d'orange, j'arrose de jus de citron, de sucre et d'eau. Et j'enfourne 2 fois 4 minutes au micro-ondes puissance maximum. Mes oranges confites sont prêtes, je sauvegarde le jus de cuisson. Je sors ma couronne bien gonflée du four et je l'imbibe aussitôt du sirop d'orange. Je répartis un peu partout du sucre perlé. Je rajoute des fruits confits selon mon goût. Et vous avez une belle couronne des rois bien parfumée. C'était ma recette de brioche des rois avec des oranges confites maison. Si cette recette te plaît, abonne-toi, merci d'avoir regardé et à très vite.